Samaï comme Rafik, aujourd'hui première titularisation, ça ne s'est pas passé comme prévu. Malheureusement, une défaite à domicile. Comment t'as vécu ta première? Comme tu as dit, c'est pas passé comme prévu. Mais après, ça fait longtemps que j'ai pas joué un match. J'ai commencé un match, mais après, c'était contre une bonne équipe. Et je sais que mon niveau peut progresser vraiment quand je suis plus fit. Parce que là, je suis pas encore sur 100%, mais ouais. Ouais, parlant de 100%, on a vu que durant la minute 50, tu étais déjà un peu fatigué, ça se Ouais, voyait un peu sur. j'étais déjà un peu fatigué parce que ça fait 7 mois que j'ai pas joué un match full. Et avec la blessure et la prépa aussi, une petite blessure, j'ai pas fait toute la préparation et c'est pour ça que c'était un peu difficile après le deuxième camp. D'accord, et du coup, tu as toujours des séquelles par rapport à la blessure que tu as eue la saison dernière? Ouais, c'était ça. Mais maintenant, alhamdoulilah, tout ça va bien, j'ai plus mal. Et là, c'est juste travailler mon physique, travailler comme avant que je suis vraiment 100% inch'Allah. Alhamdulillah, et du coup, tu étais l'une des révélations de l'OMAL la saison passée. Et cette saison, tu es avec Maline. Comment ça s'est passé, les négociations et tout? Ouais, c'est bien. Le nouveau club, j'aime tout le monde ici dans le club et comment il veut jouer aussi. Et je sais que je peux faire la même chose que j'ai fait avec l'OMAL si comme j'avais dit, mon niveau progresse et physiquement aussi. D'accord, et dans quel registre t'aimerais bien jouer? Parce qu'on a vu la saison dernière, tu as joué en tant que piston droit. Et cette saison, aujourd'hui, tu as joué en tant que latéral droit, c'est ça? Ouais. Je crois ici je vais jouer plus latéral droit que piston droit. Peut-être si on joue avec 5, je prends tout d'un côté, mais je crois que c'est plus latéral droit. D'accord. Et avant à Malines, il y avait aussi un ancien joueur algérien. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça, c'est Sofiane Henni. C'est ça, vous avez parlé par rapport à. Non, j'ai pas parlé avec lui, mais je sais qu'ici il était vraiment fort. Et tout le monde parle de lui encore. Et il a encore son t-shirt en haut parce qu'il était meilleur buteur Ouais, ici, c'est avec ça. Maline. Alors ouais, il parle beaucoup de lui. D'accord. Et tu viens de commencer en première division. La sélection algérienne. Y a rien pour le moment, mais Inch'Allah, si je peux prendre mon niveau comme l'année passée, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va venir. Inch'Allah, et je veux jouer pour l'équipe nationale. Et Inch'Allah. on verra comment ça se passe, mais d'abord il faut que je prenne mon niveau comme l'année passée ici. Et après on peut voir qu'est-ce qui se va passer. Donc, du coup, on peut dire que tu as la sélection algérienne d'un côté dans ta tête. Ouais, t'inquiète. Ah, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère qu'on te verra bientôt avec l'équipe nationale, Inch'Allah. Donc voilà, merci beaucoup, Rafiq. C'est gentil de ta part. Merci. Merci.